Michael Zinta, donc je suis au consultant à l'innovation dans une coopérative Eureden. C'était plutôt ça que je visais en fait à long terme, en fait, c'était de découvrir un petit peu cette relation chercheur-entreprise. Guillaume Banet, responsable du développement des solutions hygiène et désinfection pour la société Prochimia en France. C'est la première fois que je rencontre l'Institut Carnot et les acteurs de l'Institut Carnot. Certains sujets traités et thèmes abordés sur cette journée-là correspondaient à des besoins que nous avons actuellement en termes de développement. Donc, je suis Latifa Boussarguin, je suis enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Rennes et j'effectue mes recherches au sein de l'Institut Numécan. Donc aujourd'hui, ce que j'attends des rencontres chercheurs-entreprises, c'est de pouvoir discuter avec les entreprises, de voir leurs attentes et d'essayer de développer peut-être un partenariat. Pascal Peu, donc je suis ingénieur de recherche à l'unité de recherche Opal. Optimisation des procédés pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et donc le Carnot nous permet donc d'avoir ces contacts et d'avoir un peu le recul de l'entreprise par rapport en fait à nos recherches et aussi d'avoir les demandes de l'entreprise par rapport à des recherches qu'on pourrait mener en collaboration.